Monsieur le chancelier, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Nathalie Petrowski, pilier du journalisme au Québec. Madame Petrowski est une fière diplômée du département de communication de Concordia. Her professional career started even before she graduated from the university in 1976 and lasted more than 4 decades. Elle a officiellement pris sa retraite en 2019 après 26 ans de chronique au journal La Presse. Madame Petrowski's incisiveness and elegant writing style made her stand out early on. She quickly gained a reputation as an honest, often tough critic and one who helped celebrate and discover talent. During her long, award-winning tenure as a journalist and columnist, Madame Petrowski was a key part of a stable of influential Quebec writers. She covered a wide range of the province's important societal issues. Ne doute, ses talents dépassent ceux de chroniqueurs, auteur de plusieurs romans. Elle a aussi écrit des scénarios pour la radio et la télévision. Heureusement, pour ses nombreux lecteurs et admirateurs, Madame Petrowski a continué d'écrire, publiant d'ailleurs ses mémoires en 2019. Mr. Chancellor, on behalf of the Board of Governors and the Senate, it is my privilege and my honor to present to you Ms. Nathalie Petrowski so that you may confer upon her the degree of Doctor of Literature, honoris causa. I would now like to ask Dr. Petrowski to address the convocation. Thank you. Vous êtes nombreux. Alors, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Recteur, invité d'honneur, parents et amis, et chers diplômés de 2022, bonsoir. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je m'adresse à vous ce soir, et mon émotion est d'autant plus grande que nous sommes ici, dans cette mythique salle Wilfrid Pelletier, là où j'ai couvert des centaines de concerts et de spectacles, de Keith Jarrett à Paul Anka, en passant par Yvon Deschamps, Leonard Cohen, sans oublier évidemment The Boss, Bruce Springsteen. C'est ici aussi que j'ai couvert mon tout premier spectacle à titre de critique. Et d'ailleurs, cette critique a failli être non seulement la première, mais la dernière de ma carrière, parce que j'avais eu le malheur d'être beaucoup trop sévère à l'égard de Diane Juster, qui était une chanteuse, compositrice et surtout une très grande amie de l'éditeur Pierre Péladeau du Journal de Montréal, pour qui j'écrivais, et qui a d'ailleurs déclaré que je n'avais aucun avenir comme critique. Heureusement, il avait tort. Et en 1973, quand je suis arrivée au département de communication de Loyola, j'avais une grande ambition. Je voulais devenir cinéaste, je voulais réaliser mes propres films, mais je ne m'étais jamais vraiment demandé pourquoi, ni est-ce que c'est vraiment ça que je voulais et que j'aimais faire. Et si j'avais fait une réelle introspection, j'aurais découvert que c'est pas ça que j'aimais le plus faire dans la vie. De toute façon, je savais pas comment faire des films. Non, ce que j'aimais faire, c'était écrire. Et c'était pas nouveau. En quatrième année, à Ottawa, où j'ai grandi, j'ai fondé un journal. OK, il a duré 3 semaines, mais quand même, j'ai fondé un journal. À 12 ans, Steven Spielberg tournait ses premiers films. Pas moi. Moi, par contre, j'écrivais déjà des poèmes, des romans de 2 pages, et plus tard, vers 15-16 ans, des nouvelles.
Et il y avait souvent dans mes nouvelles des éléments d'actualité. Par exemple, j'ai écrit une nouvelle avec en toile de fond la manif à l'Université Kent où 4 étudiants avaient été abattus par la garde nationale. Ça m'avait beaucoup, beaucoup bouleversée. J'ai écrit une autre nouvelle où en toile de fond, il y avait l'assassinat de Bobby Kennedy. Évidemment, c'était les années 70-60. Et c'est donc dire qu'à 15 ans, il y avait déjà 2 éléments de mon destin, l'écriture et l'actualité, qui s'étaient déjà mis en place en moi, mais je ne m'en rendais pas compte. Et au lieu d'écouter mon instinct, j'écoutais ma raison et j'avais tort. Il faut toujours écouter son instinct, surtout celui qui vient du cœur. J'ai fini par entendre mon instinct à la fin de ma 2e année en communication à Loyola. Et là, c'était l'été, j'étais au fin fond de l'Abitibi, quand le Journal de Montréal, où j'avais fait application 6 mois plus tôt, parce que j'avais besoin de gagner ma vie, puis je me disais, bien, je peux peut-être écrire. Et ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si je voulais faire la relève de vacances du mois d'août. Et j'ai saisi l'occasion, littéralement. Vous n'avez jamais vu une fille arriver aussi vite de Rouyn-Noranda jusqu'à Montréal. Je pense que ça a pris 2 heures. Et cela, même si je n'avais jamais étudié en journalisme, même si je ne savais pas quoi ça mangeait un journaliste, et même si je n'avais jamais lu le Journal de Montréal. Et au début septembre, lorsqu'ils m'ont demandé si je voulais devenir journaliste à temps plein, alors qu'il me restait 1 an d'université pour mon bac, j'ai dit oui, 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 oui. Et j'ai fait les deux. Et la vie comme ça nous envoie des signes, des messages, et il ne faut pas faire la sourde oreille. Il faut y aller. Oups, excusez. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller, il faut foncer, il faut saisir l'occasion sans poser de conditions, sans faire un petit peu comme la génération qui vous précède et qui a la réputation de poser toutes sortes de conditions avant d'accepter un premier emploi, comme demander une machine à cappuccino, un baby-foot ou des toilettes non genrées. Alors, les conditions, c'est correct, mais plus tard, pas quand on commence, pas quand on commence dans la vie. Et au département de communication, au début des années 70, on étudiait Marshall McLuhan et j'entendais parler pour la première fois du village global. Ça, c'était avant Meta et le métavers. Et il y avait cette phrase qui était le credo du grand McLuhan, « The medium is the message », le médium est le message. Ça voulait dire que le vrai message, celui qui opérait un changement politique, social, peut-être même philosophique, c'était le véhicule, c'était le contenant, c'était le train, pas la marchandise qu'il transportait. Le message, c'était la technologie. Et dans les années 70, à l'université, autant dire que la technologie, ça se résumait à peu près à un téléphone qui avait la forme d'un crapaud, et le téléphone à touche n'existait pas encore, puis on oublie les cellulaires. Et bien sûr, il y avait des ordinateurs gros comme des frigos, mais ils étaient cachés quelque part dans un hangar, on ne savait pas trop où ils étaient. Mais les outils de communication à la portée des étudiants de l'époque, c'était un micro, une caméra, un écran de télévision, that's it, that's all. Et des fois, quand on téléphonait avec notre téléphone en forme de crapaud, on rêvait d'un téléphone où on pouvait voir celui ou celle à qui on parlait. En fait, on rêvait à FaceTime, mais on était persuadé que c'était impossible. Jamais on pourrait voir notre interlocuteur. Eh bien, on avait tort. 50 ans plus tard, vous avez un arsenal d'outils de communication incroyable. Le médium est d'une richesse et d'une abondance incommensurables. Maintenant, tout peut être enregistré, filmé, photographié partout, tout le temps, 24/7. Le médium a radicalement transformé notre rythme de vie, a dématérialisé notre vie, a altéré notre perception de la réalité, notre façon d'informer et d'être informé. Mais c'est aussi un médium qui a son lot d'écueils et de pièges que vous allez devoir gérer avec de plus en plus de doigté et de délicatesse. Le journalisme en ce moment ne vit pas un âge d'or, on le sait, on l'entend tout le temps. Il y en a même qui prédisent la mort du journalisme tel qu'on le connaît sous la montée fulgurante des réseaux sociaux. Mais moi, je crois au contraire que le journalisme a de l'avenir, que le journalisme est plus nécessaire, plus essentiel qu'il n'a jamais été. La formidable prise de parole des victimes de Harvey Weinstein qui a déclenché le tsunami du mouvement MeToo a vu le jour grâce au travail acharné de 2 journalistes du New York Times.
Les ravages de la COVID dans les CHSLD ici au Québec ont été révélés ici grâce au merveilleux travail du journaliste Aaron Derfeld de la Gazette. Et même si Darnella Frazier n'était qu'une adolescente de 17 ans quand elle a braqué son cellulaire sur le policier qui était en train d'étouffer à mort George Floyd, c'est un acte de journalisme qu'elle posait. Le journalisme est essentiel, capital, pour révéler tout ce que la réalité, tout ce que la société veut nous cacher. Il est essentiel pour combattre la propagande, la désinformation, les fausses nouvelles. Ces fausses nouvelles qui, sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, TikTok, whatever, se propagent à la vitesse de l'éclair, se propagent en fait 10 fois, 100 fois plus vite qu'une information vérifiée. Et c'est pour ça qu'on a besoin plus que jamais de journalistes et de communicateurs rigoureux qui laissent les faits vérifiés, validés, confirmés, gâcher leurs bonnes histoires. Always let the facts get in the way of a good story. Une société qui se veut démocratique, ouverte et libre ne peut exister sans une masse critique de journalistes et j'ajouterais de journalistes salariés et syndiqués dans une salle de rédaction pour leur garantir une forme d'indépendance face aux acteurs de la société dont ils vont rendre compte. J'espère que vous allez faire partie de cette nouvelle génération d'arpenteurs et d'éclaireurs du réel. Et pour cela, il vous faudra une chose, une première chose hyper importante. Continuez à lire. Ne jamais cesser de lire. Don't stop reading. Des romans, des essais, des recueils de poésie, des manuels politiques, n'importe quoi, sauf des statuts Facebook, OK? Vous pouvez de temps à autre faire des statuts Facebook, mais pas trop souvent. Et si vous êtes curieux, passionné, intellectuellement ouvert, rigoureux, si le sort du monde et des êtres humains vous tient à cœur, eh bien, ça va bien aller. Everything is going to be all right. Merci. Dr. Petrowski, j'apprécie vos remarques incroyablement. You are open, you're refreshing, and you lack passion. I had dinner with Dr. Petrowski last evening, and I can tell you it was as animated at the dinner table as it was here today. You're a very special lady. Thank you.